Bonjour à tous, alors voilà, donc aujourd'hui j'ai testé la dynamo que j'avais reçue et bon, je comprenais pas pourquoi elle débitait pas. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai testé avec juste mon plus sur la prise DIN et mon moins sur la prise, sur la masse, sur la carcasse en fait de la dynamo. Donc j'ai fait tourner avec un petit truc fabrication maison, hein, une visseuse, une rallonge, une douille de 21, beaucoup de scotch, histoire de prendre sur le bout. Donc j'avais mis au début donc sur direct courant, hein, normal, voilà, et donc là je n'avais rien. Ce que j'ai fait en deuxième, c'est donc que j'ai relié l'excitateur sur la prise DIN de ma dynamo, et donc à ce moment-là j'ai recommencé, et là j'ai pu voir que du voltage apparaissait. Donc à mon avis ça l'a je ne sais plus le terme, repolarisé, rechargé ou quelque chose comme ça. Donc là maintenant, là on va voir, donc je mets ma visseuse dans l'embout, hop, voilà, et donc là je commence à tourner doucement. On peut voir que déjà là j'ai un 0,2 volts quelque chose, et donc en accélérant, là on sent une résistance de la dynamo du coup, donc là pour l'instant je suis à 15 volts. Donc à mon avis ces 15 volts sont dus au fait que je ne peux pas aller plus vite avec ma visseuse, et donc ça ne monte pas assez haut, voilà. Donc pour moi là maintenant la dynamo, je pense qu'elle, voilà, on sent ça faiblit. Donc pour moi la dynamo maintenant charge. Voilà. Bon allez, à plus les